monde, je vous retrouve aujourd'hui pour un nouveau tutoriel de bracelet brésilien où je vais vous apprendre à faire le bracelet Zig Zag alterné qui m'a beaucoup été demandé depuis sa publication sur mon blog. Pour faire ce bracelet, il vous faudra 14 fils, 8 d'une couleur, ici en jaune orangé, et 6 d'une autre, ici en violet. Je vous conseille de prendre deux couleurs qui ont un contraste assez important afin que le motif ressorte un maximum. Pour ce qui est de la longueur, chaque fil mesure 60 cm chacun environ. Vous pouvez aussi découper sur 20 cm que vous plierez ensuite pour former une boucle. Vous aurez donc à découper que la moitié. Ce bracelet se découpe en 8 étapes qui seront détaillées au fur et à mesure de la vidéo. Comme pour le bracelet bougie, la technique pour faire ce bracelet sera d'utiliser tous les fils pour les étapes impaires, puis on enlèvera les deux fils situés aux extrémités pour les étapes paires. Je vous rappelle que vous pouvez retrouver les deux vidéos qui expliquent le noeud avant et le noeud arrière, ainsi que le détail de chacune des étapes de ce bracelet dans la barre d'infos. Une fois que vous avez compris ce principe, il suffit de recommencer ces étapes jusqu'à ce que la longueur du bracelet vous convienne. Thank you.
Et voilà, le bracelet zigzag alterné terminé. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est toujours pas fait. Et rejoignez Bracelet Brésilien sur Facebook, Instagram et Twitter pour découvrir de nouveaux bracelets chaque semaine. Quant à moi, je vous dis à la semaine prochaine pour un nouveau tutoriel.